Mars 1871, les Parisiens se sentent trahis et humiliés. Le nouveau gouvernement français, à majorité monarchiste, a accepté la défaite de la France face à la Prusse et a même autorisé les vainqueurs à défiler sur les Champs-Élysées. Le gouvernement a aussi cédé l'Alsace et la Lorraine à l'ennemi et a accepté de payer d'énormes indemnités de guerre. Et les mesures économiques qu'il prend enfoncent un peu plus le peuple dans la pauvreté. Résumons. Les Prussiens occupent le pays, le gouvernement français étrangle le peuple et les Parisiens, qui se sont forgés une mentalité de révolutionnaires contre les Prussiens pendant le siège de Paris, sont en colère. C'est une situation explosive, d'autant que les Parisiens ont gardé leurs fusils et environ 300 canons. L'étincelle intervient au matin du 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. Le 26 mars, l'extrême gauche obtient la majorité. Comme la municipalité de Paris s'appelait la Commune pendant la Révolution française, on reprend ce nom. La Commune de Paris est proclamée devant une foule enthousiaste, place de l'Hôtel de Ville. Le drapeau rouge, symbole d'insurrection, flotte partout. Parmi les élus, des ouvriers, des artisans, des journalistes, des avocats, des médecins et des artistes. Ils sont républicains, socialistes, anarchistes, c'est l'extrême gauche révolutionnaire. Beaucoup de patrons et de bourgeois quittent la capitale sans demander leur reste. Les partisans de la commune, les fédérés ou communards, réquisitionnent les ateliers de production. C'est aux ouvriers de les gérer eux-mêmes. On instaure la gratuité des loyers pendant quelques mois, on envisage une justice gratuite, les salaires des instituteurs doublent, les écoles deviennent obligatoires, gratuites et laïques. On se méfie de la religion. Dans les églises s'installent des clubs de discussion où tous peuvent prendre la parole, hommes comme femmes. Car il y a aussi des femmes combattantes. C'est un incroyable laboratoire social qui accueille même des militants d'autres pays européens. Mais le gouvernement officiel veut mater la rébellion. Il renforce son armée. Dès le 2 avril, les combats font rage aux portes de la capitale. Et les communards vont de défaite en défaite, tandis que dans les quartiers cossus, on espère la victoire du gouvernement. Le 21 mai, profitant d'un concert aux Tuileries, les Versaillais, rappelons que le gouvernement est installé à Versailles, entrent à Paris. C'est le début de la semaine sanglante. 130 000 militaires contre quelques dizaines de milliers de fédérés. La répression est féroce. Quiconque a des traces de poudre sur les mains ou ressemble à un communard est fusillé. En réponse, les communards tuent des otages, dont l'archevêque de Paris. Puis, par désespoir ou pour empêcher l'armée d'avancer, mettent le feu à plusieurs monuments de Paris. Le palais des Tuileries, le palais de justice, l'hôtel de ville, en vain. L'ultime bataille au cimetière du Père-Lachaise, où les derniers fédérés se sont retranchés, finit à coups de baïonnette. 147 communards sont fusillés devant un mur du cimetière devenu tristement célèbre, c'est le mur des fédérés. Le 28 mai 1871, la dernière barricade tombe, la commune est finie. Entre 10 000 et 20 000 Parisiens sont morts au combat. 43 000 hommes, femmes et enfants subissent maintenant des représailles. Ils sont emprisonnés ou déportés vers la colonie française la plus éloignée, la Nouvelle-Calédonie. Pour les autres, ceux qui ont échappé aux arrestations, c'est l'exil. La commune n'a duré que 72 jours et pourtant, elle hante toujours les esprits. Pour la gauche, elle est un mythe fondateur. Marx et Engels y voient la première dictature du prolétariat. Sa mémoire s'est transmise grâce à des dizaines de milliers d'écrits, mais aussi grâce aux chansons. Eh oui, l'International, le chant des luttes ouvrières, a été écrit par un communard, tout comme la célèbre chanson « Le temps des cerises ». Deux leitmotivs qui accompagnent encore régulièrement les manifestations en souvenir de la commune et de son espoir de meilleur lendemain.
Rire signal et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va d'eux cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur. Née le 29 mai 1830, Louise est la fille d'un riche châtelain et de sa servante. Son père quitte le château de Vroncourt peu après sa naissance. Mais les parents de ce dernier prennent soin d'elle et acceptent qu'elle reste ici, auprès de sa maman. Les vieux châtelains qu'elle appelle grand-père et grand-mère sont gentils et lui offrent une éducation soignée. Elle lit beaucoup, surtout Voltaire, dont elle approuve les idées humanistes. Généreuse et déjà choquée par les inégalités, il paraît que la petite fille volait de l'argent dans le portefeuille de son grand-père pour le distribuer aux pauvres. À 21 ans, elle part faire ses études à Chaumont, la ville voisine, et obtient son brevet de capacité, un diplôme qui lui permet de devenir institutrice. Elle aime apprendre et transmettre ses connaissances. Il faut former la nouvelle génération pour qu'elle puisse se libérer, s'enthousiasme-t-elle. Mais, déjà un peu rebelle, Louise refuse de prêter serment à l'empereur Napoléon III, ce qui est obligatoire pour enseigner en France à l'époque. Elle décide donc de sortir du système et ouvre en 1853 sa propre école à Audeloncourt. Elle y fera les choses à sa façon. Après environ 3 ans d'enseignement à Audeloncourt, Louise décide de tenter sa chance à Paris. Elle trouve un poste d'enseignante dans une institution rue du Château d'Eau. En parallèle, elle prend des cours du soir pour continuer son instruction, s'engage de plus en plus dans le militantisme et fréquente des intellectuels et des chefs de file révolutionnaires. Elle écrit aussi ses premiers textes, des poésies révoltées et des articles dans des journaux d'opposition. Elle envoie même quelques-uns de ses vers au grand poète Victor Hugo, avec qui elle échange des lettres depuis quelques années. Au XIXe siècle, un grand mouvement de libération des femmes se développe en France. On ne l'appelle pas encore féminisme, mais il vise l'émancipation et l'égalité avec les hommes. Louise défend corps et âme ses idées. « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise », dit-elle. En 1869, elle devient secrétaire de la Société démocratique de moralisation, une association qui aide les ouvrières à prendre conscience de leurs droits. L'année suivante, Louise est élue présidente du comité de vigilance républicain des citoyennes du 18e arrondissement de Paris. Une assemblée féminine révolutionnaire. Cela fait presque 20 ans que Louise se bat pour défendre ses idées. Le jour, elle est institutrice. Elle fonde d'ailleurs plusieurs écoles. Et la nuit, elle participe à des réunions politiques.
C'est pendant cette période qu'elle rencontre le révolutionnaire Théophile Ferré, qu'elle admire énormément. En 1871, éclate enfin la Commune de Paris. Une grande révolte populaire contre le nouveau gouvernement d'Adolphe Thiers, qui dure plus de 2 mois. Louise est au comble de la joie. Même si cela passe par la violence, le peuple se libère enfin de ses chaînes. Louise Michel est une des figures les plus importantes de la Commune. En mars 1871, elle monte à l'assaut des buttes, à Montmartre, avec le peuple en colère, une carabine cachée sous son manteau. Pendant la révolte, elle multiplie les casquettes. Tantôt sous l'uniforme bleu des fédérés, l'armée des communards, à combattre sur les barricades, tantôt ambulancière, tantôt propagandiste, en collant des affiches et en écrivant des articles et des tracts. En dehors des combats, elle anime aussi le Club de la Révolution, où chacun peut discuter de politique, donner son avis et proposer des idées. Louise est activement recherchée par la police, mais puisqu'elle ne se laisse pas attraper, les autorités décident d'arrêter sa mère à sa place. Alors, elle n'a plus d'autre choix que de se rendre en échange de la liberté de sa vieille maman. Elle passe devant un conseil de guerre où elle déclare « Puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb, j'en réclame ma part, moi. » Impressionné par son courage, Victor Hugo lui dédie un poème, « Viro Major ». Finalement, Louise est condamnée à la déportation le 16 décembre 1871. En 1873, après 20 mois de prison à Aubrive, non loin de son village natal, Louise embarque donc pour son exil en Nouvelle-Calédonie. Arrivée sur cette île du Pacifique, qui est alors une colonie française, elle reprend sa vocation d'institutrice en éduquant les enfants des Kanaks ou ceux des autres déportés. C'est aussi à cette période qu'elle commence à s'intéresser à l'anarchisme, un courant de philosophie politique qui refuse toute forme de domination et d'autorité. 5 ans plus tard, fidèle à elle-même, Louise prend la défense des Kanaks lors de leur révolte contre les colons qui les maltraitent. Enfin, après des années d'exil, Louise peut rentrer en France. On ne l'a pas oubliée. Pendant son absence, sa réputation s'est forgée. On la surnomme la Vierge Rouge ou la Bonne Louise. Elle prend la tête du mouvement ouvrier et milite en faveur de la grève générale, un concept nouveau à l'époque. Elle commence à faire des conférences en France et même en Belgique, en Angleterre, en Hollande. Les foules se pressent pour l'écouter. Louise est désormais ouvertement anarchiste. C'est même elle qui a l'idée d'un drapeau noir pour représenter ce mouvement. Après une pause pendant laquelle elle enseigne dans une école libertaire en Angleterre, Louise Michel retourne en France, où elle enchaîne les manifestations pour défendre les droits des travailleurs, des femmes, des chômeurs. Elle ne craint pas la police, qui pourtant lui en fait voir de toutes les couleurs depuis des années. En 1883, elle avait même été condamnée à 6 ans de prison, mais graciée au bout de 3. C'est pendant une tournée de conférences qu'elle meurt à Marseille en janvier 1905. En réalité, cela fait longtemps qu'elle est malade. Elle s'éteint dans son lit, mais aura continué la lutte jusqu'au bout. Ses funérailles rassemblent des milliers de personnes. Le 28 mars 1871, 10 jours après le début de leur insurrection, les Parisiens proclament la Commune de Paris, place de l'Hôtel de Ville. Pendant 70 jours, assiégés par les troupes loyalistes, les communards expérimentent la démocratie directe et adopte des mesures sociales d'une extraordinaire modernité. Un an auparavant, Napoléon III avait entraîné la France dans une guerre avec l'Allemagne. La défaite militaire et l'invasion prussienne avaient conduit à l'effondrement de l'Empire et à la proclamation de la Troisième République. La guerre se poursuivant, Paris est assiégé jusqu'à la capitulation du gouvernement de défense nationale. Mais les Parisiens humiliés refusent l'armistice signé par une assemblée nationale royaliste élue dans la précipitation. Le 18 mars 1871, la capitale se soulève lorsque le gouvernement réfugié à Versailles envoie l'armée pour récupérer les canons de Montmartre. Des barricades sont érigées, les unités de la garde nationale fraternisent avec la population et un comité de salut public est institué. Quelques jours plus tard, des élections portent les républicains révolutionnaires à la tête de la ville.
En quelques semaines d'extraordinaire effervescence politique, la Commune, mêlant ouvriers et intellectuels pratiquant l'égalité entre les hommes et les femmes, proclame la séparation de l'Église et de l'État, l'instruction gratuite et laïque, l'abolition de la conscription, l'interdiction du travail de nuit et reconnaît le concubinage, des mesures en avance d'un siècle sur leur temps. Mais deux mois après sa proclamation, la Commune, isolée et minée par des querelles internes, est finalement écrasée dans un bain de sang par l'armée versaillaise. Durant la semaine sanglante fin mai, entre 25 et 30 000 communards sont sommairement exécutés, d'autres seront déportés, et pour éradiquer jusqu'au souvenir de la Commune, les vainqueurs feront ériger la basilique du Sacré-Cœur sur la butte de Montmartre, là où avait éclaté l'insurrection. Voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de voir cet épisode, parce que, évidemment, cette histoire ou cette guerre dans la guerre, elle n'était pas finalement très connue.